Eh bien, bonjour à tous les amis, c'est Davy et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Mais avant, toi derrière ton écran, n'hésite pas à liker et partager cette vidéo à tes amis et surtout abonne-toi, c'est très très important. Et mets ton plus gros pouce bleu en bas de cette vidéo. Et moi, je te laisse avec la suite de la vidéo. Aujourd'hui, les amis, nous allons parler de la nouvelle mise à jour d'Adopt Me. Du coup, est-ce que vous êtes prêts? C'est parti! Du coup, les amis, nous allons parler de cette nouvelle mise à jour. Du coup, pour cela, nous allons nous diriger directement à la boutique des œufs, donc où il y a tous les œufs. Donc là, je suis accompagné de mon petit lézard, mais nous allons y revenir juste après, les amis. Donc, nous sommes ici, voilà, vous pouvez vous téléporter maintenant, c'est une nouveauté sur Adopt Me. Et donc ici vous avez tous les œufs donc qui contient essentiellement, que des oiseaux. Donc là vous entendez le bruit des oiseaux qui chantent. C'est très très relaxant. J'adore entendre les oiseaux qui chantent. Ça me fait penser à l'esprit, un peu à l'esprit de la nature, tout ce qui est l'univers en forêt et voilà. Donc cet œuf coûte 750. Voilà, il ressemble à ça. Je peux pas vous l'acheter parce que je n'ai tout simplement pas assez d'argent pour vous l'acheter. Donc désolé. Mais voilà. Donc cette œuf coûte 750. Un peu comme tous les œufs qu'il y a eu dans cette petite machine. Voilà. Et donc. Dans cette machine les amis, vous allez avoir un œuf. Et dans cet œuf les amis, vous allez avoir 8 pets. Donc dans les 8 pets, j'en ai déjà eu 4. Donc je vais vous les faire voir tout de suite en vidéo. J'ai eu un lézard qui est ultra rare. J'ai quoi d'autre? J'ai ça aussi, c'est un oiseau, c'est un rare. Un woodpecker, un peu comme le dessin animé. Je sais pas si vous connaissez, pour ceux qui connaissent. Bah c'est génial. Un raid cardinal. Ça ressemble un peu à un jeu où vous mettez un oiseau au bout avec un élastique. Enfin, et puis vous les balancez sur des constructions pour faire tout tomber. Je crois que ça s'appelle Angry Birds. Dites-moi si je l'ai mal dit parce que je ne suis. Je suis très très mauvais en anglais. Donc mettez-moi si vous voulez. Si vous voulez bien. L'orthographe dans les commentaires parce que je crois que je l'ai mal prononcé le nom du jeu. Après j'ai quoi d'autre? J'ai une petite grenouille, je l'ai eu en promis, elle est trop belle. Et puis c'est tout, 1, 2 et 3, elle est où la troisième? Attendez, la troisième, elle est, le troisième il est là, normalement j'en ai 4 mais bon, je trouve pas l'autre que j'ai déjà. Donc c'est pas grave les amis, donc vous avez 8 pets en tout. Vous avez 2 ou 3 légendaires si je me trompe pas. Enfin je ne sais pas vraiment, je les ai pas eu. Je les ai pas eu dans mon inventaire, j'aimerais les avoir. Apparemment il y a un faucon. Bon, je sais pas comment on le dit. Je l'ai pas eu et apparemment il est légendaire. Et j'ai pas eu aussi Bambi parce que moi je l'appelle Bambi, vous savez, le petit animal dans le dessin animé que tout le monde connaît, qui est chez un dessin animé de chez Disney. Donc j'ai pas eu cet animal là non plus. J'attends. Après je crois que j'ai fait le tour. Donc cette mise à jour elle est juste géniale. Et il y a une petite chose que Adopt Me ont rajouté dans cette nouvelle mise à jour. Regardez bien, là je fais une trad à quelqu'un et regardez juste en bas, et bah vous avez quelque chose pour parler à la personne, pour essayer de négocier avec elle. Donc là je lui marque par exemple add. Donc par exemple hein, j'imagine, mais je pense qu'elle va pas accepter. Voilà, elle accepte pas. Mais maintenant vous le savez les amis, vous pouvez parler, en message privé directement pour négocier avec la personne où vous voulez faire une trade avec elle. Vous avez aussi un renard, je l'ai oublié, j'ai oublié de le dire. Vous avez aussi un renard, donc c'est super génial les amis. Donc le renard j'aimerais trop l'avoir, mais je crois qu'il n'est pas légendaire si je me trompe pas.
Mais en tout cas, le lézard, il est trop beau. Ou alors c'est un caméléon. Non, c'est un lézard. Il est trop mignon, le lézard, j'aime trop. Comment il se déplace et tout, j'aime trop. En plus, il se déplace vite, hein. Donc voilà, les amis, je crois que j'ai fait le tour. Et aussi, une dernière chose, il y a quelque chose qui vient d'arriver sur Adopt Me. Et je vais tout de suite vous le faire. Donc voilà, les amis, la nouvelle chose de cette nouvelle mise à jour. Il y a aussi celle-là, c'est marqué maintenant est sunny. Donc c'est-à-dire que là, bah, il y a du soleil. Mais le truc que je ne comprends pas, c'est ça. C'est 28 jours, 30 jours, 58 jours, 60 jours, 89 jours, ouais. 91 jours. Donc pourquoi c'est marqué ça? Ça, je ne sais pas. Quand on clique dessus, bah rien se passe. Donc je ne comprends pas. Donc voilà les amis, dites-moi dans les commentaires si vous avez compris le sens de cette affiche. Donc à quoi ça sert tout simplement. Et donc les amis, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo tout simplement sur la nouvelle mise à jour d'Adotomy. N'hésitez pas de mettre votre plus gros pouce bleu, c'est très très important. Et nous on se dit à une prochaine vidéo. C'était Davy, ciao, bye les potes, bye.